Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance d'hypnose chamanique Voyage au cœur de l'âme. Si ce n'est déjà fait, je t'invite à t'installer confortablement dans un endroit calme et agréable, couché sur un lit ou sur un canapé, assis sur ton coussin de méditation préféré ou, pourquoi pas, dans un endroit en pleine nature. Le principal est que tu te sentes bien et en sécurité là où tu te trouves. Je t'invite également à t'équiper d'un casque audio ou d'une paire d'écouteurs afin de rendre cette expérience encore plus intense et agréable. Il est possible que le voyage que tu t'apprêtes à vivre t'emmène dans un état de transe assez profonde. Mais sache que, bien entendu, tu restes en contrôle de tout ce qui se passe. Et tu pourras décider de sortir de la transe à tout moment si tu le souhaites. Il est possible également que tu vives des sensations plus ou moins fortes, peut-être aussi des émotions. Le son de ma voix t'accompagne toujours dans la bienveillance tout au long de cette expérience. Et tu peux simplement te laisser guider par les mots, les suggestions. Et tu n'as rien d'autre à faire que de t'autoriser à vivre ce voyage comme si tu y étais vraiment. Sache que quelque part au fond de toi, une part de toi y est vraiment. Active ton imagination. C'est elle le véhicule qui t'emmène au plus profond de toi. Je te souhaite un excellent voyage. Bien. À présent que tu es bien installé et que tu es prête à plonger au cœur de cette expérience, je t'invite à fixer un petit point quelque part devant toi. Fixe ce point comme si celui-ci représentait quelque chose auquel tu tiens vraiment. Peut-être est-ce un objectif, un rêve, une envie. Et tu fixes ce point du mieux que tu peux le faire. Surtout, ne laisse pas ce point s'échapper. Ne laisse pas ton esprit s'échapper. Peut-être même que tu peux imaginer un fil invisible ou un laser qui relie ton regard à ce point. Une ligne directe qui te permet de rester focalisé sur ce point et uniquement ce point précis. Tu remarqueras qu'il y a comme un mouvement qui se crée, comme quelque chose qui commence à se modifier. Peut-être que le point devient flou, ou la vue tout autour. Peut-être que le point semble disparaître de temps à autre. Peut-être que le regard devient de plus en plus nuageux, que les paupières commencent à se fatiguer et clignent de plus en plus. Ce mouvement qui t'indique que quelque chose est en train de se modifier dans les perceptions extérieures. Ce qui signifie qu'elle se modifie également à l'intérieur, comme des portes qui s'ouvrent vers de nouvelles perceptions, de nouvelles possibilités. Continue de fixer ce point, de focaliser toute ton attention sur ce point. Les pensées se font de plus en plus lointaines, de plus en plus apaisé, comme s'il n'y avait plus que ce moment et juste l'intensité de l'instant présent. Et quand le regard devient encore plus flou, plus nuageux, que les paupières se fatiguent de plus en plus, comme une irrésistible envie de les fermer, tu résistes encore un instant et
Surtout, n'entre pas dans la transe hypnotique avant d'avoir fermé les yeux. Pas avant d'avoir pris une grande inspiration que je t'invite à prendre maintenant. Et à l'expire, tu souffles toutes les tensions et laisses les yeux se fermer naturellement. Très bien. Tu as fermé les yeux en signe de retrait au monde extérieur pour te plonger dans ton monde intérieur. Observe le rythme de la respiration. Les battements du cœur. Les sensations dans le corps. Peut-être une sensation de chaleur, d'engourdissement ou toute autre sensation. Et je ne sais pas quelle est la partie du corps qui est plus détendue que les autres. Peut-être que tu peux laisser cette sensation s'amplifier davantage, pas plus vite que tu descends de plus en plus au plus profond de toi, pour laisser cette sensation agréable se répandre dans tout le corps, de haut en bas, de bas en haut. Chaque muscle, chaque fibre, chaque cellule. Laisse le corps s'imprégner de détente. Je me demande à quel point cette détente peut encore s'amplifier lorsque tu te poses la question « Comment je me sens quand je me sens complètement détendu ?» Comment je me sens quand je me sens complètement détendu ? Laisse le corps te répondre et autorise-toi à laisser cette sensation s'agrandir en toi. Laisse-lui le droit d'exister et de s'amplifier deux fois plus encore à chaque inspiration. Et chaque expire te plonge deux fois plus encore au cœur de cet état de bien-être, de lâcher prise. Observe tout ce qui est là, présent à toi. Éveille ta curiosité à tout ce qui passe et laisse passer ce qui passe pour accueillir toute la bienveillance qui se présente à toi. Comment je me sens quand je me sens
en parfaite harmonie avec tout ce qui est là en moi. Comment je me sens quand je me sens libre de tout ce qui m'empêchait de plonger 100 fois plus encore dans cette sensation si agréable. Et simplement, tu plonges, tu flottes dans cet espace de paix profonde. Un peu comme un voilier flotte sur un océan calme, bercé par les vagues, au rythme de la respiration, de plus en plus calme, de plus en plus profonde. Comme un monde fantastique qui flotte dans l'univers, guidé par les vagues de l'espace-temps, dans une perception du temps de plus en plus vague, lentement, en mouvement, plus lentement, jusqu'à sembler se figer dans l'instant présent. Comment je me sens quand je me sens plongé au plus profond de moi, là, dans cet univers intérieur, en train de flotter comme un apesanteur. Et là, au cœur de cet espace infini, au plus profond de toi, il y a cette énergie de vie, cette flamme colorée qui paraît si familière, si belle, si intense, celle qui vient de si loin, qui a traversé les époques, les états d'être, peut-être même les dimensions, juste là, au plus profond de toi. Et je me demande comment tu peux la voir ou la ressentir. Quelle est sa couleur, sa luminosité? Quelle est la forme de cette énergie, son mouvement? Quelles sont ces sensations? On sait que l'âme est l'énergie de vie, l'énergie de l'amour. Quelle est sa musique? Flotter, danser autour pour l'honorer, pour l'admirer, pour la remercier, pour l'accueillir. Ressens cet amour au plus profond de toi. Thank you.
ressens cette gratitude. Ressens sa présence, sa bienveillance, son envie de vivre avec un grand V. Ressens sa magie, son intelligence. Ressens sa sagesse, son histoire. Elle est là, au plus profond de toi. Elle existe comme elle a toujours existé et existera toujours au-delà de la perception de notre réalité. Elle fait partie de cet océan d'amour qui nous berce, nous porte. Elle fait partie du tout. Profite de ce moment avec ton âme, du mieux que tu peux le faire. Prends ce temps pour te connecter à elle, pour plonger dans sa lumière, pour ressentir tout ce qu'il y a à ressentir, pour devenir cette énergie de vie qui t'anime, qui t'aime, maintenant reconnue, respectée et honorée. Toutes les parties de toi méritent de plonger dans l'amour de l'âme. Deviens ton âme en plongeant dans sa lumière. Transporte les sensations. L'âme vit les sensations. L'amour transporte les émotions. L'âme vit les émotions. L'âme connaît la sagesse. Le monde est amour.
l'âme est reliée à l'amour, à l'âme du monde. Et alors que tu es immergé dans la lumière de ton âme et tout son amour, à présent, suis le fil qui rejoint la source, l'origine. Laisse-toi emporter dans ce vortex, ce cordon d'énergie pure qui t'emmène à la source, comme le cordon qui relie l'enfant à la mère. Voyage à la rencontre de l'âme du monde et plonge dans cet océan d'amour, là où toutes les âmes sont connectées au cœur de tout ce qui est, au cœur de l'amour. Observe cette beauté, observe tous ces fils d'énergie qui relient chaque être vivant sur Terre, les animaux, les végétaux, les êtres humains et bien plus encore. Conscience que nous venons tous de cette même source, la source de vie, l'énergie d'amour. Ressens cet amour intense, cette vie, cette intelligence. C'est peut-être cela, ce que certains appellent Dieu. Observe et prends conscience que l'âme du monde, l'amour, est en chacun de nous. C'est elle qui nous anime tous. C'est à travers tout ce qui est qu'elle est présente et prend vie dans la réalité matérielle et physique que nos sens perçoivent. Elle est peut-être ici la vraie réalité commune à toutes et à tous. Plongez dans l'amour, la raison de vivre et le respect du vivant. Fait fonctionner le véhicule de l'âme dans ce monde matériel et physique. Mais il est si petit face à l'intelligence de l'âme du monde, face à l'amour. Prends conscience de cela, tout en profitant pleinement de cette beauté.
cette lumière, cette flamme qui nous offre la vie. Laisse-toi flotter au cœur de la source. Elle t'aime. Tu fais partie d'elle au même titre que tout ce qui est, ni plus, ni moins. L'âme du monde est l'amour inconditionnel, la vie, l'intelligence, la paix la plus profonde. Les mots ne seront jamais suffisants pour la décrire, mais tu peux la ressentir pour la vivre, ou la vivre pour la ressentir au plus profond de toi. Dans un instant, je vais cesser de te parler pour que tu puisses vivre pleinement cette connexion à l'amour universel. Lorsque le tambour s'arrêtera, tu reviendras dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit, et tu garderas bien ancré en toi toute la sagesse acquise de ce voyage. Cette sagesse qui t'offre une nouvelle vision, de nouvelles perspectives. Tu seras rechargé d'amour pour toi, pour ton corps, pour ton âme et tout ce qui t'entoure. Profite pleinement de ce moment unique pour toi, au plus profond de toi.
t'assieds maintenant. Il est temps de revenir ici et maintenant. Prends ton temps pour reprendre conscience de ta réalité, de tout ton corps qui se réveille tout doucement. Et tu peux t'étirer, bâiller, te frotter les mains, les bras, pour ramener de la conscience dans ton corps et bien revenir ici et maintenant. Prends une grande inspiration et ouvre les yeux à ton rythme. Bonjour, tu as fait bon voyage? Comment c'était pour toi? De quelle couleur est ton âme? Comment définis-tu les sensations positives ressenties durant cette expérience? Je te remercie de m'avoir accordé ta confiance et je te dis à très bientôt pour de nouveaux voyages.